Décédé à l'âge de 31 ans, lors du terrible séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie le 6 février dernier, faisant plus de 50 000 morts, Christian Assou a eu droit à des funérailles d'État ce vendredi à Accra, capitale du Ghana. La cérémonie qui était présidée par le chef d'État, Nana Akufo-Addo, s'est déroulée en présence de la famille de l'ancien joueur de Newcastle et d'anciens coéquipiers. Tu n'es pas parti seul. Une partie de moi t'a accompagné. Ton amour continue de me guider. Tu paraissais immortel. Ton sourire, ton amour, je te vois dans le sourire de nos enfants, a notamment déclaré sa veuve, Marie-Kel Mpio. Lors de la cérémonie, un dernier hommage après ce observé ces dernières semaines, notamment lors de Newcastle-Liverpool le 18 février dernier, où une minute d'applaudissement avait été observée en hommage de l'ancien joueur.